Alors que la faveur de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et qui est ressuscité pour que nous soyons sauvés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que sa faveur soit sur ma vie et aussi sur ta vie, et que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit ton partage au nom puissant de Jésus. Vous savez, la paix, c'est la meilleure des choses. Lorsque tu as la paix, c'est trop bon. Lorsque tu as la paix, dans tous les domaines de ta vie, il n'y a pas de souci. Je veux, avant de commencer, je veux dire avant de rentrer dans le vif du sujet, encourager quelqu'un, t'exhorter. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, notre quotidien, n'est pas chose facile. N'est pas chose facile à cause de beaucoup de paramètres. Déjà, nous sommes, le monde est en train de tirer à sa fin. Satan augmente ses actions sur la terre, il multiplie ses actions sur la terre pour amener un maximum de personnes à lui. Il utilise beaucoup de stratégies pour, n'est-ce pas, amener des personnes à lui pour que ces personnes soient pour les faire perdre. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de la lumière, nous ne devons pas rester, n'est-ce pas, sans connaissance, sans pratiquer certaines choses, les choses spirituelles qui vont nous aider, n'est-ce pas, à atteindre notre objectif. Je suis là avec vous pour vous aider. C'est vrai que notre Dieu, en une fraction de seconde, peut changer ta situation, mais il y a beaucoup de paramètres. Tu dois tenir compte de beaucoup de paramètres, n'est-ce pas, pour pouvoir accélérer tes bénédictions terrestres. Parce que dans le ciel, tu es déjà béni. Mais puisque tu es venu sur la terre, mon Dieu, tu es venu sur la terre, il y a des paramètres. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois savoir les secrets. Tu dois savoir ce qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Et donc, c'est dans cet objectif-là que moi, je vous donne des secrets. Je vous donne des pistes pour que vous puissiez les emprunter. Je vous donne des chemins de vie, des chemins où il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Je veux dire, il n'y a pas d'effet négatif, de retour négatif. Je te donne un chemin. Lorsque tu le pratiques, c'est bon. Alors, vous savez, lorsque nous faisons une analyse, des différentes religions, des différentes croyances, une analyse sociale, nous avons un classement qui nous permet, n'est-ce pas, de placer une catégorie de croyants au sommet, et bien évidemment, voilà, merci, socio-spirituel, et bien évidemment, une autre catégorie à la fin. Moi, j'ai fait un peu l'étude, et voilà ce que j'ai découvert, je vais vous le partager, et je sais que vous serez d'accord avec moi. Il y a beaucoup de croyances. Je vais déjà prendre le milieu qui n'est pas chrétien. Le milieu qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de Jésus leur vie. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je prends un peu les bouddhistes. Lorsque vous prenez dans une administration, les bouddhistes qui n'ont pas donné, c'est-à-dire Jésus n'est pas le chemin par lequel ils atteignent Dieu, ont dans l'administration, dans la société, des postes quand même qui sont acceptables. Lorsque nous prenons les musulmans ne quand ils prient, il y a pas Jésus dedans. Donc eux, ils croient en Dieu, mais c'est pas Jésus. Lorsque vous regardez aussi leur vie sociale, leur vie financière, ils sont devant. Lorsque vous prenez, nous allons maintenant rentrer un peu dans les chrétiens. Les chrétiens, c'est-à-dire que ce soit les catholiques, les évangéliques, les protestants, le christianisme céleste, etc. Lorsque nous prenons le groupe des chrétiens, donc des personnes qui disent que Jésus, ils connaissent Jésus, on se rend compte que, puisqu'il y a plusieurs, nous croyons tous en Jésus, mais il y a plusieurs, je ne sais pas si je vais dire catégories, ceux qui sont devant dans l'administration sont les catholiques. Après les catholiques, on va descendre
au, comment on les appelle, l'église céleste. Mais en tout cas, ceux qui sont évangéliques sont derniers dans l'administration sociale, financière et autres. Ils sont derniers. Lorsque vous regardez un peu ce qui est commun à toutes ces religions que j'ai citées, ce qui est commun, c'est les prières et les rituels. Les musulmans font beaucoup de rituels. Ils ont des prières qu'ils récitent, ils ont des rituels qu'ils font. Les bouddhistes aussi, c'est pareil. Ils ont leurs prières. Les bouddhistes ne prient pas comme les évangéliques priaient. Voilà tel sujet, comme nous on fait dans prière. Ils ne font pas ça. Ils ont des mantras. Ils allument leurs bougies, etc., etc. Et même dans le milieu évangélique, on a cité les catholiques. Les catholiques aussi prient comme on prie. Mais ils ont des rituels. Vous voyez, ils prient devant le feu. C'est eux qui sont venus avec l'eau bénite. Quand on parle de l'eau bénite là. C'est l'église catholique. Les évangéliques les ont trop combattus. Et à un certain moment, les évangéliques ont commencé à pratiquer ça. Aux catholiques, ils font ça. L'eau bénite, ils prient avec les bougies. Même si les fidèles ne savent pas le sens profond. Mais ils pratiquent et puis il y a des résultats. Les quelques rares églises évangéliques qui ont quand même des fidèles qui sont au sommet de l'administration, lorsque vous allez leur poser la question, tu es aussi béni financièrement, tu as un grand poste dans l'administration, ils vont te dire, oui, avant que je ne sois dans telle église évangélique, j'étais d'abord catholique. Faites la remarque. C'est-à-dire qu'il était catholique, il a été béni en tant que catholique, il pratiquait les choses en tant que catholique, donc les rituels, etc. Et puis après, par conviction personnelle, il a dit, bon, je vais maintenant aller dans une église évangélique. Mais ce n'est pas étant évangélique qu'il a été béni. En tout cas, c'est rare, quoi. C'est rare. Parce que nous, là, bon, je ne vais même pas dire nous, moi, mais je ne suis même pas évangélique. Moi, je suis bizarre. Les évangéliques, là, ils sont derniers à comprendre les choses. C'est maintenant que le réveil spirituel est en train de rentrer dans le monde qu'on se rend compte que les évangéliques commencent à faire comme les catholiques, prier avec les bougies, prier avec l'eau bénite, prier avec quoi encore. Tout ça, vous comprenez un peu. Et puis, il y a certains qui vont faire un peu comme les juifs. Ils vont aller prendre les livres de la Kabbale. Ils vont, même sur les apparats, là, il y a l'étoile, qu'on appelle l'étoile de David. Ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils font quand même. Vous avez remarqué que même les juifs, là, eux ne parlent pas trop de Jésus. Hein. Mais Israël est un petit pays qui fait peur aux grandes puissances mondiales. Ils ne parlent pas de Jésus, mais ils ont des pratiques. Eux aussi, je les avais oubliés dans le classement. En fait, je suis en train de vous dire que la vie où on est là, il ne faut pas être simple. Et vous voyez que c'est mon combat de tous les jours, c'est ce que je vous prêche tous les jours. Dans tout ce que je prêche, il y a cette rubrique là. Lorsque tu es simple, en fait, la vie est faite ainsi. Le règne terrestre, la bénédiction terrestre, vous voyez sur la fille, j'ai dit comment posséder son héritage terrestre. Il faudrait pratiquer, il faut avoir des rituels, il faut avoir des rites qui tiennent compte des éléments de la création pour que tu sois en harmonie avec la création. Tu n'es pas en harmonie avec la création. Tu veux que la création te bénisse comment? Ceux qui travaillent dans l'or, l'or là, tu trouves où? L'or n'apparaît pas sur ton lit. L'or est dans la terre. Le pétrole, c'est pareil, dans la terre, dans les mers, etc. Donc, pour que les éléments, la mer te donne ses richesses, ben, il faut pratiquer des choses. Maintenant, la différence se trouve au niveau de quoi? Qu'est-ce que tu appelles? Quel rituel tu fais? Quelles sont les entités, les esprits que tu appelles ou qui travaillent avec toi ou qui te répondent? C'est là la différence. Parce qu'il y en a qui travaillent et qui invoquent des démons. Il y en a qui invoquent des anges de Dieu. En fait, il y a vraiment trop de choses. Donc, tant que tu vas rester dans une logique de ça là, je fais pas, on ne m'a jamais enseigné ça, donc je ne fais pas. Mais vous voyez, je vous parle chaque fois de quoi? De Mario. La vie d'un être humain, c'est comme Mario. Mario, quand il va sauver la reine, il y a des bonus de vie sur son chemin. S'il refuse de prendre les bonus de vie, quand il est attaqué, il meurt. C'est game over. Donc, sur ton chemin, il y a des choses que tu dois prendre. Je suis d'accord avec certaines personnes. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui donne un bon enseignement. Mais gloire soit rendue à Dieu que le prophète le surnaturel existe. Alléluia. Nous allons commencer. Soyez les bienvenus, vous qui venez de rentrer dans le groupe Le Surnaturel au quotidien. C'est comme ça nous sommes. Nous aimons la paix, nous aimons Dieu.
et nous partageons des choses extraordinaires. Ton jour de naissance coupe la corde d'un monde à un autre. Alléluia. Oh, c'est puissant. Est-ce que vous savez que nous sommes des étoiles? Nous sommes des étoiles. Chaque être humain est une étoile. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 15. Je vais vous expliquer. En fait, je vais vous montrer qui vous êtes. Lorsque tu sais qui tu es, les choses s'accélèrent pour toi. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu fournis beaucoup d'efforts. Lorsque tu sais qui tu es, je ne dis pas que tout sera à ta merci, mais je dis que tu sais, n'est-ce pas, quelles sont les choses dans lesquelles tu dois te mettre. Ta façon de faire attire à toi les choses qui sont réservées dans le spirituel. Je vais vous lire Genèse. Voilà, merci. Genèse chapitre 15. Je vais commencer à partir du verset 1er. La Bible dit, après ces choses, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, ce n'est pas mon fils. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après cela, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La Bible dit au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous savez, avant cette étape-là, Dieu s'était adressé de la même façon à Abraham. Mais lui avait dit cette fois-ci, il faut sortir, mets-toi au bord de la mer, regarde le sable et essaie de compter si tu arrives à compter les grains de sable. C'est comme ça ta postérité sera. Arrivé à un certain moment, Dieu se rend compte qu'il a donné un code à Abraham, mais qu'il devait étendre encore les limites de l'être humain. Il dit cette fois-ci, regarde les étoiles, est-ce que tu arrives à compter les étoiles? C'est de cette même façon que seront tes enfants ta postérité. Alléluia. Et donc, c'est après, n'est-ce pas, cette action, ce rituel que Dieu fait faire à Abraham, que Abraham rend dans ses promesses. Abraham, n'est-ce pas, j'ai failli dire Abraham tombe enceinte. Abraham enceinte sa femme et puis il arrive. Donc nous sommes des étoiles. Amen. Tu dois comprendre que tu es une étoile. Tu es une étoile. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque Jésus est né, écoutez-moi très bien, je suis en train de rentrer dans les choses profondes. Lorsque Jésus est né, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, la Bible dit que lorsqu'il est né, il y avait des personnes qui avaient la capacité de voir dans le surnaturel. C'était des rois mages. Ils ont vu une étoile. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui était né. Seulement que l'étoile était différente. L'étoile brillait plus que d'habitude. L'étoile était grosse. Ils se sont rendus compte que ça, ce n'est pas une étoile d'un homme ordinaire. C'est un roi qui est né. Et il y a un ange même qui est apparu comme ça et qui leur a dit, le roi est né. Le roi est né. Donc, ils ont suivi l'étoile. Ils sont partis faire leur sacrifice. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu nais, il y a une étoile qui commence à scintiller plus fort pour dire, il est venu. Jésus nous montre qu'effectivement, lorsque on vient au monde, nous sommes une étoile. Alléluia. Nous sommes une étoile qui vient sur la terre. On va pousser loin. Il y a donc une relation entre l'étoile, qui est vraiment l'astre. Je ne parle pas d'étoile spirituelle. L'astre et l'être humain. Il y a une relation. Il y a quelque chose entre les deux. Maintenant, j'ai des questions scientifiques. Jésus, la Bible dit que Jésus est le second Adam. Remarquez avec moi que Jésus est né. Lorsque vous tapez sur Internet, vous tapez sur Google, Wikipédia ou comme on appelle ça, un dictionnaire, vous tapez naître. Naître, c'est quelque... On dit quoi? Il est venu au monde. C'est ça. Quand tu nais, tu es venu au monde. Donc, si tu viens au monde, ça veut dire que tu as existé quelque part. Tu as une vie quelque part et tu viens dans le monde. Jésus est né. Mais regardez, lui, il est le second Adam, il est né. Mais le premier Adam n'est pas né. Le premier Adam fut créé. Lui n'a pas connu la naissance.
Mais Jésus, qui est le second Adam, a connu la naissance. C'est-à-dire que lui, en tant qu'étoile, oh my God, il est quitté quelque part dans un autre monde et puis il est venu. Voilà pourquoi Jésus n'a pas échoué dans sa mission de second Adam. Jésus, de par sa naissance, j'ouvre une parenthèse, je vous ai toujours dit, Jésus avait deux missions sur la terre. La première mission, c'était de venir nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la deuxième mission de Jésus, c'était de devenir, d'être un modèle pour nous. Jésus est venu nous montrer comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons vivre. Quelles sont les choses que nous devons faire, par quoi nous devons passer, comment est-ce que nous devons nous comporter et les différents dons, talents, pouvoirs que nous avons. Alléluia. La seule différence entre lui et nous, c'est que nous, nous péchons. Lui n'a pas péché. Mais la deuxième mission de Jésus, c'est d'être un modèle pour nous. Il y a donc un processus. Mais le processus, je ne te parle pas du processus terrestre. Je parle de comment Jésus qui a réussi sa mission. Je parle de comment Jésus qui a été plus fort que le premier Adam. Je parle de comment Jésus a fait. Le commencement, c'est la naissance. En tant qu'étoile, il est venu sur la terre. Il a quitté un autre monde. En tant qu'étoile, il a quitté le monde céleste. Il a quitté le monde des étoiles. Il a quitté le ciel. Il est rentré dans le monde. Alors que Adam, il n'est pas passé par n'importe quoi, par étoile, tout ça, ce n'est pas son problème. Il est venu sur la terre. Je vais vous expliquer. On va aller. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Lorsque vous prenez la Bible, dans le récit de la création, la Bible nous dit que Dieu a créé. Le quatrième jour de la création, c'est là qu'il a créé les étoiles. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'homme a été fait avec les quatre éléments. Suivez-moi très bien, je vais vraiment vous choquer. Les quatre éléments que sont l'eau, la terre, le vent et le feu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a fait l'homme. Maintenant regardez, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les reptiles, etc., etc. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Je suis en train de te dire que lorsque Dieu a fini de créer les éléments, la terre, le vent, etc., etc., chaque élément a produit, a créé, donc a donné son produit. L'eau a donné ses fruits, la terre a donné ses fruits, etc., etc. Je suis en train de te dire que dans la création, lorsque la terre était en train de produire, nous le voyons au verset 27, lorsque Dieu a dit que la terre produise son fruit, l'homme faisait partie. Voilà, j'ai commencé à déranger les gens. Est-ce que vous savez, tu t'es déjà posé la question, mais comment se fait-il que Dieu crée Adam et Ève? Deux personnes seulement. Donc ce sont ces deux personnes-là qui ont peuplé le monde. Non, la Bible dit, Dieu ordonne à la terre de produire, attendez, on va lire clairement ce qu'il est dit, que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Laisse-moi te dire que dans ça là, la terre a produit des hommes. La terre a produit des hommes. L'homme vient de quoi? Des quatre éléments. Les quatre éléments existaient déjà. Les quatre éléments existaient déjà. Le quatrième jour, Dieu met les étoiles. Tu vas me comprendre. Dieu met les étoiles dans le ciel. Et le sixième jour, il dit la terre produit. Mais écoutez, du produit de la terre, des produits de la terre sortaient des hommes. Il y avait des hommes que la terre était en train de produire. Il y avait des hommes que la terre, que le vent, que le feu qui existaient étaient en train de produire. Arrivé un certain moment, Dieu dit, bon, je vais maintenant faire l'homme à mon image. Adam était le produit que Dieu a fait, mais il a suivi le protocole de création parce que l'homme vient de la terre. Maintenant, lui-même, il s'est assis et puis il a commencé à fabriquer l'homme selon lui, son image. Mais avant Adam, la terre avait produit des hommes. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les chasse du jardin. Adam et Ève font un enfant, deux enfants. Et maintenant, il y a un qui s'en va.
Il s'appelle Caïn. Il a tué Abel. Caïn s'en va. La Bible dit que Caïn va faire des, va créer, va faire quoi? Construire une ville et puis il va peupler le monde. Mais Caïn les a produits, a créé les enfants là comment? Les hommes là sont quittés où? Parce que en effet, lorsque Dieu a dit à la terre de créer, la terre a créé des hommes. Donc il y avait des hommes qui existaient sur la surface de la terre. Mais Dieu a pris un terrain sur la surface de la terre. Il a pris un jardin et c'est dans ce jardin-là qu'il a créé, il a fait l'homme que lui-même il a fait. Pas l'homme que la terre a produit, hein, mais l'homme que lui-même il a produit, il a placé dans une partie du jardin. Ça veut dire qu'en dehors du partie du jardin, les autres hommes-là existaient. Lorsque vous lisez la Bible dit que Adam, lorsque les gens ont commencé à venir vers lui, la Bible dit clairement que Adam se rend compte qu'il n'y a personne qui est comme lui. Mais il a raison. Parce que les autres humains là, ont été faits mais n'ont pas reçu le souffle qui est sorti de la bouche de Dieu. Adam, lui, il a reçu le souffle qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc quand il voit les autres humains, il se rend compte qu'il n'y a personne qui est comme lui. Je vais te poser une question. Lorsque tu dis à Dieu, je veux ma cote, Seigneur, jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un qui est comme moi. Je parle des femmes ou des hommes. Je n'ai pas encore vu la personne que je dois épouser. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas l'homme qui passe devant toi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une femme qui passe devant toi? Les hommes passent, les femmes passent. Mais toi-même, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est fait à ton image. C'est de cette même manière que tu vas te mettre à dire, Seigneur, les hommes défilent devant moi, mais je veux l'homme qui est fait pour moi. Seigneur, les femmes défilent devant moi, mais je veux ma Ève. Adam aussi a vu des personnes qui étaient devant lui. Seulement que ces personnes ont été faites par les éléments. Et Dieu n'avait pas son souffle dedans. Dieu dit, attends, les hommes existaient, mais ils sont tellement bien faits. Moi, maintenant, je vais fabriquer pour moi à mon image. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui étaient là, mais qui n'étaient pas à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient comme l'homme. Ils avaient une tête, ils avaient un pied, ils avaient tout. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque Dieu crée toutes ces choses, quand il dit créons, il faisait la création, il avait déjà dans sa tête que l'homme allait exister. Et donc, ce sont ces personnes que la terre a produites, que les éléments ont créé, qui étaient hors du jardin d'Éden. Maintenant, à quel moment, quand Dieu les bénit, là, Dieu dit, je vous bénis, soyez féconds. Il dit, toi, je t'ai créé à mon image, domine sur les autres. Adam était dans une maison que Dieu a fabriquée. Mais il y avait la vie dehors, vous comprenez. Adam n'était pas le premier homme de la création. Adam était le premier homme fait à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, à quel moment les étoiles, puisque nous venons des étoiles, nous avons vu l'exemple de Jésus, à quel moment les étoiles interviennent? Maintenant, je suis en train de te dire que lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, il y a une relation sexuelle, il y a une étoile, mon Dieu, il y a une étoile dans le ciel qui donne son essence, qui rentre dans la femme et puis l'homme naît. C'est ce que Jésus nous a montré. Lorsque Jésus naît, l'étoile scintille. En vérité, lorsque Dieu fait l'homme le sixième jour, parce que ce soit les hommes qui ont été faits dans les champs ou Adam, c'était le sixième jour. Donc le sixième jour, Dieu a fait beaucoup d'hommes comme ça. Et puis il les a lancés dans les étoiles. C'est ce qu'il a montré à Abraham. Il dit en vérité, ta postérité est comme les étoiles, parce qu'en vérité, j'ai mis leur âme, leur essence dans les étoiles. Donc, lorsque le moment sera arrivé, que tu vas rencontrer ta femme, il y a une étoile qui va descendre et puis qui va rentrer dans ta femme. C'est lui qui est... comment il s'appelle, Isaac? Lorsque nous poursuivons la lecture, la Bible dit que les fils de Dieu se sont rendus compte que les filles des hommes étaient agréables. Les filles des hommes leur ressemblaient. Oh my God. Je ne sais pas si ce que je dis, les gens comprennent. Les anges sont des étoiles. Toi qui es là, tu es un ange, je suis un ange. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas comment tu dois faire sortir ton potentiel que tu souffres. La Bible dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient, leur ressemblaient. Ils sont descendus pour coucher avec elles. Mais quand ils descendent là, ils ne descendent pas avec leurs ailes. Quand ils descendent sur la terre, ils deviennent des hommes. Et les étoiles sont des entités. Les étoiles sont des anges. C'est pour cela que la Bible appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin parce que, étant dans le ciel, il est étoile. Mais lorsqu'il descend sur la terre, il devient homme. Donc, c'est le même système spirituel. Les anges, les démons, ils sont étoiles. Donc, ils ont vu que, effectivement, lorsque un homme et une femme se mettent ensemble, il y a une étoile qui vomit sa semence
Et parce qu'il y a un homme qui doit naître. Donc, puisque nous-mêmes, nous sommes des étoiles, c'est vrai que nous sommes corrompus, nous sommes des étoiles, nous allons descendre. Lorsque nous descendons, nous ne sommes plus étoiles. Nous sommes humains. Et puis, nous venons coucher avec les femmes. Tu es une étoile. Alléluia. Tu es une étoile. Les rois mages ont suivi l'étoile. Ils sont arrivés. Le miroir de l'étoile, c'est un être humain. Dieu dit, regarde les étoiles. Voilà ta postérité. Lorsque Abraham a regardé, il a vu le surnaturel. Lorsqu'il a regardé dans le ciel, il a vu Marie et Zoé. Lorsqu'il a regardé dans le ciel, il a vu Anaïs. Lorsqu'il a regardé dans le ciel, il a vu Dorothée. Lorsqu'il a regardé dans le ciel, il a vu Rokia. Lorsqu'il a regardé dans le ciel, il l'a vu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va lire. Genèse chapitre 6. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas une analyse intellectuelle. C'est Dieu qui m'a enseigné. C'est pour cela, les musulmans, là, dans leur symbole, il y a l'étoile. Les autres sectes, il y a l'étoile. Et puis, il y a d'autres astres. Même chez nous, on utilise l'étoile de David. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Lorsque vous tapez sur Google, étoile de David, les explications n'ont rien de spirituel. Pourtant, c'est trop puissant. Nous sommes des étoiles. Jésus nous a montré l'exemple. Il naît et puis il y a une étoile qui scintille. Alléluia. Genèse chapitre 1 dit quoi? Il dit 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Écoutez, un chat ne peut pas s'accoupler avec un chien. Si les anges, qui étaient les anges déchus, sont venus coucher avec les femmes, et puis des personnes leur sont nées, c'est parce qu'il n'y a pas de différence entre un ange et puis un être humain. Ah! Deux espèces contraires ne peuvent pas s'attirer. C'est pas possible. Si les anges sont venus coucher avec les femmes, c'est parce que les anges et les êtres humains ont quelque chose de commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'étoile. Voilà pourquoi c'est dangereux de maudire ton jour de naissance. Ésaïe, le chapitre 45, le verset 10. Seigneur, ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Vous voyez, il y a des gens qui disent souvent, je maudis le jour de ma naissance. Je n'ai pas demandé à vivre. Parce que ces personnes-là vivent des événements vraiment douloureux. Je n'ai pas demandé à vivre. Oh, je maudis le jour de ma naissance. Est-ce que tu sais que quand tu le fais, là, tu es étoile? Donc, lorsque tu le fais, tu es en train de noircir ton étoile. Regardez quelque chose. Regardez Job. Job, le chapitre 3. Regardez Job, le chapitre 3. Allons-y là-bas. Vous allez comprendre quelque chose. Le verset combien? Le verset 1. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, Job a eu ses problèmes, tout s'est mélangé dans sa vie. Et puis à partir du verset 3, c'est là maintenant qu'il va commencer à parler. Il dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Regardez comment, quand il maudit le jour de sa naissance là, regardez les choses qu'il touche. Vous allez comprendre qu'effectivement nous sommes des étoiles. Regardez ce qu'il touche. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. C'est dans la nuit que les étoiles scintillent. C'est dans la nuit que les étoiles scintillent. Il continue. Il dit, ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent dans les nuées, établissent leur demeure au-dessus de lui et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Il est en train de dire, l'étoile qui, la nuit là, la lumière de la nuit qui a dit qu'il y a un mal qui est né là, que cette lumière là soit, que cette lumière là devienne ténèbre. Lorsque tu maudis le jour de ta naissance, tu noircis ton étoile. Tu as déjà entendu des hommes de Dieu qui disent ton étoile est noircie. Souvent toi-même là, c'est toi qui as la base. Tu as commencé à noircir ton étoile avant le sorcier de ta famille. Maintenant, regardez lorsque Dieu s'adresse à Job. Au chapitre 3, Job n'est pas content. Job maudit le jour de sa naissance, il maudit même les étoiles.
Maintenant, lorsque Dieu s'adresse à Job, regardez comment Dieu parle à Job. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrompt comme un vaillant héros, un vaillant homme ? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Première question que je lui pose. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases ont été appuyées? Sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a formé la mer avec les portes? En fait, Dieu était en train de lui donner des réponses. Ah bon? Donc toi aujourd'hui, tu vas me dire, c'est toi qui as créé les étoiles? Tu maudis le jour de ta naissance, tu noircis ton étoile. Est-ce que c'est toi qui as créé les étoiles? Bien-aimés, nous sommes des étoiles. Lorsque tu commences à prononcer ce genre de paroles, lorsque tu commences à maudire ta vie, lorsque tu commences à dire dans ta douleur, si je savais, je n'allais pas naître, je maudis le jour de ma naissance. Qui a demandé à mon père? La Bible dit malheur. En fait, la Bible ne te maudit pas. Hein? La Bible est en train de te dire que lorsque tu dis ce genre de choses, tu es en train d'attirer le malheur sur toi. Tu attires le malheur parce qu'en vérité, l'étoile, dans l'étoile se trouve un code génétique, un code mystique. C'est dans cette étoile que se trouve ta bénédiction. C'est dans l'étoile que tu es dans le ciel, puisque le miroir de l'étoile sur la terre, c'est l'homme. Donc, quand tu es en train de dire ces choses, tu es en train de noircir le code spirituel, le code génétique mystique qui est dans l'étoile qui doit te revenir. C'est dans ton étoile que se trouve, n'est-ce pas, ta richesse. C'est dans ton étoile que se trouve ta bénédiction. C'est dans ton étoile. C'est pour cela d'ailleurs que l'ennemi attaque l'étoile. C'est pour ça qu'il attaque l'étoile. L'ennemi ne te cherche pas d'abord. Il cherche l'étoile, l'étoile qui est sur toi. Il cherche à identifier l'étoile. Jésus a appelé l'étoile brillante du matin. Vous savez comment Satan a appelé l'astre brillant? Encore une étoile. Tu es une étoile. Alléluia. Les parents ne sont même pas les propriétaires des enfants. Nous sommes que des tuteurs. Sinon, l'étoile vient parce que tu as quelque chose, une mission à accomplir. Alléluia. Maintenant, comment du monde duquel tu quittes, ou je vais dire la sphère dans laquelle tu quittes, d'un monde à un autre, comme j'ai mis sur l'affiche, comment ramener l'essence qui est dans l'étoile, qui est dans ton étoile, comment ramener cette grâce-là sur la terre? Comment la manifester? Parce que l'étoile est venue, bam, tu nais. Mais comment vraiment manifester l'étoile que tu es? Une étoile, quand elle est vue dans le ciel, elle est belle. Il y a même des étoiles filantes. Vous avez déjà entendu, non? Vous savez pourquoi les stars, on dit stars, les personnes qui arrivent à déranger leur génération, on les appelle des stars. Ce n'est pas en vain. Les étoiles, c'est une étoile, c'est une icône, c'est une étoile. Maintenant, il y a que, comme je vous ai expliqué, parce que ce que j'entends de vous prêcher là, c'est la suite de, comment on appelle ça? C'est la suite des reflets. Dans reflets, je vous ai parlé de l'ombre. Tu es une étoile, mais il y a aussi une étoile qui t'a porté. L'étoile qui t'a porté, c'est ta maman. Donc, monsieur, ton père et ta mère sont des étoiles. Ils se mettent ensemble et il y a une étoile qui naît. Il y a des étoiles qui sont corrompues à cause de la malédiction. Donc, tu as une étoile, mais tu sors d'un monde, un monde d'étoiles, qui est la fusion de ton père et de ta mère. Comment rétablir les choses de sorte à ce que l'étoile originelle que tu es et qui est venue sur la terre comme Jésus, tu puisses rentrer dans tes promesses, tu puisses rentrer dans tes bénédictions terrestres. Alléluia. Comment l'étoile que tu es peut manifester sa vie céleste sur la terre? C'est dans cette étoile-là que Dieu met les millions que tu dois avoir sur la terre, que Dieu met le nombre de vies et de temps, d'années que tu dois passer sur la terre, que Dieu met le nombre de tes enfants, que Dieu met ta prospérité, c'est dans ça. Et c'est parce qu'ils savent ça qu'ils s'attaquent à l'étoile qui est sur ta vie. C'est parce qu'ils savent ça qu'ils cherchent à noircir l'étoile qui est sur ta vie. Nous avons fini l'enseignement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vous donne le secret, un code de comment polir, nettoyer son étoile. Abonnez-vous aux pages Facebook et YouTube Miaison Kaku pour ne manquer aucune actualité. Vous pouvez aussi avoir un fichier MP3 téléchargeable gratuitement
tous les audios du surnaturel, Code 13 et autres enseignements du prophète Miezandolski le surnaturel sur la plateforme musicale SoundCloud/Miezan Kaku. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Dieu fait l'homme le sixième jour. Est-ce que tu sais, on ne sait pas, le sixième jour, là, ça correspondait à quel jour? Parce que, par exemple, le calendrier grégorien dit que le sixième jour, c'est quand? Samedi, non? C'est ça, non? Le jour du repos, c'est dimanche. Donc, le septième jour, c'est dimanche. Mais le calendrier juif, là, le septième jour, là, c'est samedi. Parce que dimanche est le premier jour de la semaine. Je vais te révéler que lorsque je vous ai expliqué, je vous ai dit que la numérologie de la lumière existe. Notre numérologie n'est pas la numérologie des médiums. Ce n'est pas la numérologie qui se trouve sur les sites internet. Non, c'est la numérologie de la Bible. La Bible dit que Dieu a fait l'homme le sixième jour. Et lorsque vous lisez, la Bible dit, il a vu que ce qu'il a fait était très bon. Les autres choses, il a vu que c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais quand il s'agit de l'homme, il a vu que ce qu'il a fait était très bon. Le sixième jour, c'est un jour très, très propice pour faire ton rituel, pour laver ton étoile et pour activer l'ADN, pour activer les informations de bénédiction qui sont dans ton étoile, pour les manifester sur la terre. Le sixième jour correspond chaque être humain à son sixième jour. Écoutez-moi très bien. Si tu es né un lundi, dans ton monde à toi, selon tout ce que j'ai expliqué, l'information génétique que Dieu met dans ton étoile, l'information spirituelle qu'il met dans ton étoile, il t'a créé, si c'est un lundi que tu es né, le lundi correspond à toi, ton sixième jour de création. Si tu es né mercredi, dans le système de création de Dieu te concernant, le mercredi correspond à ton sixième jour. Si tu es né un jeudi, dans ton système spirituel, le jeudi correspond à ton sixième jour. Le chiffre 6, je vous dis, la numérologie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Quand souvent vous entendez, il faut faire un rituel le sixième jour. Mon ami, sixième jour là, ce n'est pas samedi. Le sixième jour, c'est ton jour de naissance. C'est là que Dieu t'a créé. Dieu t'a fait l'homme le sixième jour. Je vous ai expliqué. Avant que Dieu ne fasse l'homme à son image, il y avait déjà des hommes qui existaient. La terre avait produit des hommes, mais c'était aussi le sixième jour. Mais Dieu a décidé de se faire quelqu'un à lui, à son image. Mais c'était toujours le sixième jour. Ton sixième jour, c'est ton jour de naissance. C'est là que tout se passe. Donc, comment je donne des rituels aux gens? Quand c'est le niveau zéro, mutez vos micros, s'il vous plaît, Régie Yao. Voilà, je disais que lorsque je donne les prières aux gens, que je leur dis, fais la prière le sixième jour, eux, ils font le samedi. Ça prend quand même parce que j'ai parlé. Mais quand on monte là, quand je dis le sixième jour, fais la prière, c'est ton jour de naissance. Parce que c'est le sixième jour que Dieu t'a créé. Et c'est le sixième jour que Dieu a vu que c'était très bon. Donc c'est le sixième jour que tu dois faire des choses pour que ce qui est très bon vienne à toi. Tu as déjà entendu ça quelque part? Non. C'est ça les rituels. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut. Donc il faut déjà identifier ton sixième jour. Tu es né quand? C'est ça ton sixième jour parce que tu es dans un monde. Voilà pourquoi j'ai dit d'un monde à un autre. Tu es dans un monde. Il faut que le très bon que Dieu a dit là soit. Identifie donc le jour de ta naissance. Parce que c'est avec ce jour de ta naissance qui est ton sixième jour. C'est avec ce jour-là qu'on va prier. Tu prends le calendrier. Si tu es né le 23 février 1900, tu regardes ça correspond à quel jour. Si ça correspond à mercredi, ça correspond à jeudi. Tous les jeudis sont tes jours de rituel personnel. Pas un autre jour. Les autres jours, oui, c'est possible. Mais lorsque tu veux faire tes rituels personnels, c'est le jour où tu es né. Comme par exemple, comment couper la corde? Couper la corde. La Bible dit à ta naissance, au jour où tu naquis, ton ombre n'a pas été coupé. Comment se détacher de certains liens? C'est le jour de ta naissance. Maintenant, attention. Il y a des gens qui prennent leur date anniversaire de l'année pour dire que c'est leur jour de naissance. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que tu n'as pas remarqué que chaque année, quand tu fêtes un anniversaire, c'est un jour différent. Quand tu fêtes ton anniversaire cette année, c'est le mercredi. L'année prochaine, ça sera jeudi. Donc, il y a des gens qui pensent que, comme en 2020, j'ai fêté mon anniversaire le mardi, c'est que c'est mardi qui est mon jour. Non, hein. Il faut te rappeler, quand tu es né là, le jour, là, c'est ça. Ce jour-là, il y a une porte qui fut ouverte. Ce jour-là, il y a une étoile du ciel qui est descendue et qui a fait l'homme. C'est ce jour-là. Le quatrième jour, lorsque nous avons lu, la Bible dit que Dieu
a fait les luminaires pour présider au jour, la nuit. Et ce sont ces luminaires, la lune, le soleil, les étoiles, qui nous permettent d'identifier et de donner des jours. Attendez, on va lire clairement ce qui est écrit. Vous allez vous rendre compte qu'on ne fait rien au hasard. Genèse, le chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, les luminaires, là, les étoiles et autres, là, ça marque les jours et les années. Donc, les jours ne sont pas faits au hasard. Donc, aujourd'hui, tu comprends que ton sixième jour correspond à ton jour de naissance. Parce que les étoiles que tu es, l'étoile que tu es a été faite pour faire quoi? Genèse chapitre 1, le verset 14, pour marquer les jours, les époques. Donc, ce n'est pas en vain. Quel est ton jour de naissance? C'est à ce jour de naissance-là, nous allons nous appuyer sur ce jour. Parce que ce jour-là, une étoile a été faite. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. Nous avons fini l'enseignement. Je vais maintenant vous donner la prière que vous allez faire avec la bougie et avec le sel pour nettoyer votre étoile et pour attirer les grâces. Pour que ce qui, l'information de richesse, l'information de grâce qui est dans l'étoile que tu es, puisse se manifester comme Jésus qui est né et qui avait son étoile qui brillait dans le ciel. Vous savez, lorsque l'étoile de Jésus a brillé dans le ciel, la Bible dit que les gens sont allés pour lui offrir des présents, des rois mages. Ils lui ont offert du parfum, ils lui ont offert de l'encens, ils lui ont offert des choses riches, précieuses, beaucoup de choses. Normalement, quand tu nais, il y a un don qui te suit. Normalement, quand tu nais, il y a une grâce qui te suit. Normalement, quand tu nais, à cause de l'étoile, il y a des cadeaux, il y a des présents pour toi, il y a la richesse pour toi. Il y a des gens, chaque fois un homme de Dieu leur donne une révélation, tu sais, tu as beaucoup d'argent dans tes mains, je vois beaucoup d'argent dans tes mains. Et puis la personne dit, papa, je n'ai même pas mangé hier. Mais le papa n'a pas menti. Effectivement, tu es né, les anges sont venus avec l'argent dans ta main. Mais tu ne vois pas parce qu'ils ont volé. Alléluia. Ce sont des principes spirituels. C'est spirituel, c'est juste, c'est la connaissance. Et quand tu sais comment faire, tu touches. Comment posséder tes richesses terrestres. Et c'est mon combat pour que tu puisses rentrer dans tes richesses terrestres. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. Prends ton sel et prends ton feu. N'allume pas d'abord. Prends ta bougie, prends ton sel, dépose-les à côté de toi. Et puis, je vais te dire ce qu'il faut faire.